Les écoles de Hong Kong vont à nouveau fermer après un regain épidémique des cas de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation du territoire. Si les parents sont inquiets pour les élèves, il s'agit de vacances anticipées. Nous sommes tous inquiets à propos de la soudaine augmentation et transmission au sein des écoles ces derniers jours. Les enfants doivent terminer l'école plus tôt que prévu et le programme d'apprentissage n'a pas été terminé. En effet, nous venons de finir les examens aujourd'hui. Donc nous pouvons jouer au football et rester à la maison. Il ne nous restait qu'une semaine d'école, donc selon moi, il n'y a pas énormément d'enjeux. Les écoles seront fermées à compter de ce lundi 13, quelques jours avant le début normal prévu des vacances d'été. Hong Kong a enregistré ces derniers jours une hausse exponentielle des cas locaux de transmission du coronavirus. De nouveaux foyers épidémiques ont commencé à voir le jour mardi. Parmi eux figure une maison de retraite où 32 cas ont été recensés et un immeuble avec 11 personnes contaminées. Au moins 21 nouvelles infections ces derniers jours ont été classées comme étant d'origine inconnue, ce qui signifie que les autorités peinent à déterminer la manière dont la maladie se propage. Je pense que les contaminations récentes sont plus larges, contrairement à celles du mois de mars. Beaucoup plus de personnes âgées sont infectées. La vie quotidienne avait ainsi repris en cours normal pour les habitants de la ville, qui n'ont jamais été confinés. Hong Kong a été l'un des premiers endroits au monde à avoir été frappé par le coronavirus au début de l'année, après son apparition en Chine.